c'est en fait à partir du témoignage de deux jeunes filles qui ne se connaissent pas et qui ne connaissaient pas Sophie Le Tan, mais qui se sont avérées avoir en commun avec celle-ci le fait qu'elles avaient elles aussi, à un moment donné, répondu à une annonce d'un loueur potentiel pour un appartement situé dans la même zone de Schiltigheim et avaient eu un rendez-vous de fixer pratiquement elles aussi dans cette même zone. Et à partir effectivement de leurs témoignages qui ont été repris et particulièrement approfondis par les enquêteurs de la PJ, les enquêteurs ont alors opéré un véritable travail de recensement, d'analyse et d'identification de tous les déclenchements des relais téléphoniques situés dans cette zone de Schiltigheim. Les recoupements qui ont pu être opérés les ont amenés à s'intéresser au nommé Jean-Marc Reiser, qui demeure à proximité du lieu de rendez-vous commun aux trois jeunes filles. Ce n'est pas tant le passé judiciaire, le contenu de son casier judiciaire qui a mis en alerte les enquêteurs de manière à s'intéresser un peu plus précisément à lui, mais c'est plutôt le profil qui s'est dégagé de ses antécédents judiciaires, puisque celui-ci, Jean-Marc Reiser, a effectivement été condamné de manière définitive aujourd'hui par la Cour d'assises de la Côte d'Or en mai 2003, en appel d'une décision de la Cour d'assises du Doubs de janvier 2001 et non pas, comme j'ai pu le lire, d'une décision de la Cour d'assises du Bas-Rhin qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été cassé. Donc c'est une décision dont on ne peut plus faire état. En tout cas, par cette décision de la Cour d'assises de la Côte d'Or, Jean-Marc Reiser a été condamné à l'époque à 15 ans de réclusion criminelle pour deux faits de viol, un fait de viol commis au cours du premier semestre de l'année 96 sur une victime et pour un fait de viol aggravé sous la menace d'une arme sur une autre victime en août 1995. Là aussi, ce n'est pas tellement la teneur de cette condamnation qui a intéressé les enquêteurs et qui va intéresser le magistrat instructeur, mais c'est le contexte dans lequel les faits à l'époque avaient été commis, et je ne doute pas un seul instant que très rapidement le magistrat instructeur se fera communiquer par la cour d'assises de la Côte d'Or l'entier dossier. Et ce rapprochement et cet intérêt pour le profil et le contexte de commission des faits intéressera également le magistrat instructeur compte tenu du lien qui avait été effectué à une époque entre Jean-Marc Reiser et la disparition en 1987 de Madame Oman. Il ne peut plus aujourd'hui être fait état de la décision d'acquittement qui a été prononcée par la Cour d'assises du Bas-Rhin en mai 2001, justement du chef d'homicide volontaire sur cette jeune femme dont effectivement le corps n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Mais le juge d'instruction pourra très certainement, à tout le moins, trouver dans la lecture de ce dossier des éléments intéressants sur comment, à l'époque, les enquêteurs avaient, quelle que soit la décision définitive d'acquittement, été amenés à s'intéresser à Jean-Marc Reiser. Les enquêteurs, à partir de ce profil, ont effectivement décidé de s'intéresser de très près à Jean-Marc Reiser et donc de le localiser afin de l'interpeller, ce qui a été fait samedi dernier, 15 septembre, puisqu'il a été placé en garde à vue dans la soirée de ce samedi. La perquisition opérée dans son appartement a amené, ou en tout cas a mis en évidence, l'existence de traces de sang, malgré manifestement un nettoyage en profondeur et très récent des lieux. Dans l'urgence, le magistrat instructeur a demandé au laboratoire de la police de procéder le plus rapidement possible à l'analyse des prélèvements qui avaient été effectués par les enquêteurs, ce qui nous a permis d'apprendre hier en milieu de journée que
L'ADN de certaines traces prélevées dans cet appartement était effectivement attribué à Sophie Le Tanin. Donc au vu de ce nouvel élément d'enquête, le magistrat instructeur m'a communiqué un certain nombre de pièces et j'ai décidé de prendre des réquisitions supplétives nominatives à l'encontre de Jean-Marc Rézer, du chef d'assassinat, c'est-à-dire d'homicide volontaire avec préméditation. Il a été hier soir mis en examen de ce chef d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration, autant d'infractions qui sont de nature criminelle aujourd'hui. Il a été placé, comme vous le savez également, très tôt ce matin en détention provisoire dans ce dossier. Je dois ajouter que tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, interrogé sur ces constatations qui sont d'une importance capitale, M. Rézer a fait le choix de ne répondre à aucune question, a fait le choix de se taire. J'ai envie d'être un peu positive. L'instruction ne fait que commencer. Bien évidemment qu'en présence de son avocat, M. Rézer sera à nouveau, je pense, rapidement convoqué par le magistrat instructeur. En tout cas, cette instruction, sachez-le, n'aura d'autre objectif que de faire toute la lumière sur cette disparition. En tout cas, ce que je considère encore aujourd'hui, malgré les qualifications, être une disparition. Est-ce que vous avez encore l'espoir de que Sophie Le Tanin soit vivante, tout à l'heure ? Je veux encore y croire. Et ça vous semble peu probable ? Chaque jour qui passe et chaque heure qui passe pose un peu plus de problèmes. Voilà.